con los terroristas. Salut tout le monde, c'est Player Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de notre aventure sur Watch Dogs, toujours sur PS4. Donc c'est parti, une enchère risquée. Let's go. Ah, il est là le guide. Bon, on va assister à la vente aux enchères. Un mec qui se fait jeter dehors, je crois. Ouais. Bon, apparemment, ça doit être ça. Donc, c'est parti pour la vente aux enchères. C'est Monsieur Crispin, la compagne pour voir Monsieur Quinn. Ils amèneront pas toute la marchandise sur scène en même temps. Certaines de ces marchandises sont en train de tomber. Elles ont toutes été marquées avec un numéro. Comme ça, c'est plus efficace. Certains invités préfèrent regarder leur moniteur. Mais on m'a dit que vous vouliez voir la scène. Sinon, comment pourrais-je apprécier à sa juste valeur la qualité de votre travail? Ah, ils sont sérieux. Bon, petit Irak, où es-tu? Moi, ça m'étonne pas s'il est dans la pièce là-bas. Thank you.
Putain, vas-y là. Putain, je me fais en prenant tous les trucs. En gros, je dois m'échapper, c'est ça. Oh, bordel. Ah shit. Je voulais essayer ça, hein. Ah, il faut que j'atteigne ça. Ok. Putain. Je n'ai pas de bol. Putain, allez là, je dois y arriver. On y est presque. Oh là 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 là, non, mais non, non. Putain, merde. C'est de l'infiltration pure et dure là. C'est pas cool. Tiens, dégage. Autant les neutraliser si c'est comme ça. Il a ce mec. Seulement il y aurait le sifflement comme dans Assassin's Creed. Il y a deux mecs, j'ai pas envie. Dégage. C'est lui, je pense, qui m'avait repéré. Oh, une nouvelle arme. Cool. Je prends. Mais ça sert à rien d'utiliser une arme là, parce que... Eh, on en a pas besoin. Comment je dois faire? En fait, ça sert à rien de leur pirater. Où je dois aller? Je dois attendre là. Ah ouais, ok. Ok.
Alors lui, il faut que je le bute. Bâtard. Ah, fils de pute, il me la joue à l'envers là. Tiens, meurs. Je veux juste me casser, bordel. J'ai tout eu. Je veux juste me casser. Si tu continues, tu vas mourir, toi. Tu vas mourir. Et encore plus près, tu meurs. Fais gaffe, hein. Faut que j'atteigne là-bas. En fait, là, il n'y en a qu'un qui bouge, il n'y a que lui. À ce que je vois. Restez sur le coup. Lui, il faut que je le bute. Vite la porte. Ah, récupérez vos armes. Quittez la zone. What? Bon, ok, caméra à distance. Là. Voilà, nickel. Y'a encore des mecs ou pas? Apparemment, non. Y'a plus personne. C'est nickel, on l'aura réussi! Oh putain! What? Et bim! Comme ça qu'on joue. Comme ça, voilà. Magnifique. Bon allez, on se barre là. Là j'ai vraiment envie de me barrer. Putain, c'est encore verrouillé. C'est où? C'est là. On se tire. Liberté. Oula. J'ai encore... Oh, mais c'est sérieux. Mais c'est un jeu d'infiltration, hein. C'est pas possible. C'est qui l'enfoiré qui me tire à chaque fois? Ok, bah toi, t'es mort. On se recharge. On avance. Comme ça qu'il faut jouer. Thank you.
Oh, toi, tu vas te calmer. Hein. Toi aussi. Ça me saoule, lui. Je vais le tuer. Écris des puzzles logiques. Super. Cool ta life. Il y a encore un mec. C'est un snipe. Oh là là. Je vais mourir, je vais mourir. Putain. Ah putain! Mais non! Mais me saoule, c'est mastodonte à con là! Putain, ils servent à rien! Ça me saoule, ça sert à rien, c'est mastodonte à con! Mais ça sert à rien, ça existe pas normalement! Putain! En plus, c'est pas pratique le menu, c'est vraiment de la merde! Allez, hop. Hop. Allez, dégage, toi. T'as tué lui, t'es chiant. Bim. Toi, bye. Il y en a un qui se balade en haut. Parfait, on va le calmer. Ah. Super. Bien joué ta grenade. Putain, mais il me saoule avec cette grenade, lui. On va le calmer tout de suite. Allez, viens ici, toi. Il me saoule, lui. Dégage. Hop, casse-toi. Je vous garantis qu'on va y arriver, les amis. Franchement, nos problèmes, on va y arriver.
Bon, lui, il commence à me saouler, lui. Le mec qui meurt pas, là. Allez, hop, dégage. Putain, c'est chiant, là, ce mastodonte à con, là. Tiens, dégage. Putain, il me saoule, lui. Non! Mais non! 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 Putain! Désolé, les amis, si je rage, mais là... C'est chiant, là, mais... C'est énervant, mais... Mais un point, mais... Il m'énerve ce mastodonte à con, là. Putain, mais casse les couilles, eux. Ouais, écoutez les amis, petite pause. A tout à l'heure, dès que j'aurai réussi cette mission. Re tout le monde, c'est bon. Je me suis calmé et je l'aurais tué. À coup d'explosif. Mais franchement, il était cheaté celui-là. Hein. Vraiment. Et j'aurais eu son arme. Donc voilà ce qui s'était passé. Oh putain, non encore. Hein. Écoutez, cette fois je vais essayer de parager. Ah là là. Putain, t'aurais dû rester toi. T'aurais dû rester mon gars. On va essayer le fusil de silencieux. Merde. Fais chier.
T'en fais toujours un moins. Et putain, vas-y, mais là, c'est cool, lui, il a appelé. Oh non, mais c'est sérieux, mais c'est quoi tous ces mastodontes, là? C'est quoi le mec qui appelle, là, ce trou de balle? Non, là, c'est pas de la rage, là, c'est un coup de gueule. Attends, mais c'est une blague, là. Attends, il faut arrêter. C'est quoi de ce mec qui arrête pas d'appeler? Attends, il faut que je trouve ce mec qui arrête pas d'appeler, là, et je vais lui casser sa gueule. Oh putain. C'est vraiment dur ça les amis, franchement. C'est de la merde cette mission, hein. J'aime pas. J'aime vraiment pas cette mission. Franchement c'est... Elle est nulle. Faire apparaître 15 000 mecs, ça fait rire les gens, c'est débile, complètement débile. Mais bloque-toi mon con. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais, mon con? Mais qu'est-ce que tu fais? Eh, franchement. Là, je suis vraiment à deux doigts de regarder les astuces, les amis, parce que ça me saoule tellement là. Ça commence à me pomper. Mais c'est une blague, sérieux, mais vous avez vu tous les ennemis quand même?
Comment battre ce mastodonte? C'est con, j'aurais pas dû utiliser les explosifs. Normal. Faudrait qu'il se mette à côté d'un explosif pour que je le tire dessus en fait. Oui, oui, mets-toi ici. Yeah. Yes. Ça c'est bon ça. Il y en a un deuxième, putain, mais c'est sérieux. Il y en a un deuxième. Comment veux-tu que je le bats? Non, mais là, ils ont fumé, là, en faisant ça. C'est pas possible. Pourquoi ils ont mis deux mastodontes, quoi? Pas encore la fin du jeu, hein. Je sais pas, faut arrêter. Toi, bon, tant pis, je me tire par la force. Putain, mais non! Bon, les amis, je suis désolé, je dois vous refaire une deuxième ellipse. Je suis navré, mais il y a trop d'ellipses, je sais. Attendez, ils m'ont foutu ici. Ah, quoique, ouais, ah ouais, quoique, ça peut être bon, ça. Ah, les amis, finalement, j'ai rien dit, ça peut être bon. Ça peut être bon. Attends, faut juste me débarrasser de lui. Voilà. Ah ouais, ça peut être très très bon ça. Par contre, ah, il faut quitter la zone, d'accord. Ok. Ah, si tu le souhaites. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah ok, bah je tente la bagnole, écoutez. What? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Ah non, mais arrête, c'est quoi ce bordel? Non mais sérieux là? Attends, c'est quoi cette merde?
J'ai rien compris là ce qui m'est passé. Repose en paix. Oui, ah oui, j'ai réussi enfin les amis. Enfin j'ai réussi. Putain, qu'est-ce qu'elle était horrible cette mission. Trafic d'êtres humains, enquête sur une série de malades suspectes. Localiser les acheteurs douteux et pirater leurs données, rendez-vous. Bon, à faire localiser Jackson. T'es vachement loin. Bon bah on va refaire une deuxième mission. Hein. Oups. Au secours, j'essaie de trouver maman. Il y a des monsieur avec des pistolets, j'ai peur. Ah, les enfoirés. Cache-toi, Jackson, j'arrive. Alors moi, je voudrais prendre la grande route, mais pourquoi il veut pas? C'est mal foutu ces grandes routes, hein. Franchement. C'est. Ubisoft là, ils ont pas fait du bon boulot hein, pour les routes. Vraiment. C'est mal branlé en fait. Allez! Mais allez putain! Je veux que ma bagnole elle va là! Mais merde! Allez! Voilà! Enfin, fallait le désirer hein, pour y aller. Ok, c'est parti pour trouver Jackson. Alors Jackson, où es-tu? Bon, vu qu'il a dit qu'il y a des monsieur avec des pistolets, c'est-à-dire qu'il y a une fusillade, en gros, on va devoir les tuer. Super! J'ai pas eu ma dose, mais bon. Génial!
Bon, cette fois, on va essayer de mieux assurer. J'espère qu'il va pas avoir 3 mastodontes, parce que ça, c'est abusé, franchement. Attends, 3 mastodontes ici. What? Pourquoi la police, elle me poursuit? Et pourquoi? C'est quoi la raison, là? Que la police, elle me poursuit? Allez, dégage, toi! Putain, y'a des gens, ils savent même pas rouler. Putain, je vois plus ma mission ici. Tiens, c'est couille la police. Hein. Allez, bye. Bon, écoutez. Problème encore? Oh ouais, mais ça casse les couilles, sérieux. Bon, allez, je meurs. Allez, vas-y, tirez, tirez. Parce que ça, en fait, c'est le truc le plus mal branlé du monde, en fait. Alors, soit on arrive à leur échapper. Ou soit on peut pas le tirer, parce qu'en fait à chaque fois ils vont ramener du renfort. Donc ça vraiment c'est vraiment le truc le plus débile du monde. Vraiment. Allez next. M'en fous. Suivant. Moi je veux aller à la mission, j'en ai rien à foutre de la police. Ah c'est bien, il m'a mis plus près. Tant mieux. Alors, où es-tu, Jackson? Figure parentale. C'est parti. Et j'ai regardé, on est plus trop loin de l'acte 3. Hein. On va bientôt commencer l'acte 3. C'est parti. Acte 2, figure parentale. Qu'est-ce que Jackson fait ici? C'est le fourgon arrive. Il doit penser que sa mère est là. L'endroit est très mafia. Et après les enchères, ces types vont être sur leur garde. Tu as tous les ennemis. Bah ça j'aime bien comme mission. Mais tant que c'est pas des mastodontes à la con, ça me va. Et il y a le soleil qui m'éblouit. Faut chuter tous les ennemis. Ok, bah écoute, je vais le dire. Là, il y a un bel explosif. S'il y aurait genre quelqu'un qui se fout à l'explosif, c'est plutôt pas mal d'en profiter. Mais non, je veux pas que tu sautes, je me trompe avec le rond. Putain, c'est dingue cette manie que j'ai. Patchou.
Bim. Pour le moment, je les gère. Ça va encore. Putain. Ah, me casse. Putain. C'est un bim. Voilà, le dernier. Tenez bon face au renfort. What? Oh là là. Ah ouais, ça. Bim! Un exécuteur, ça, c'est cool. J'ai buté le mastodonte. Il faut que je tiens bon, mais combien de temps? Y'a pas un temps? Ouais, s'ils sont 4, ça va encore. Tiens, bim. Bon, trouvez Jackson. Trouvez Jackson. Il est au-dessus. Sauf, je connais pas. Où est-ce qu'il... Voilà, l'échelle. Nickel. Bon, on devient un monstre, tout simplement. Bon, ça va, les amis, je vous aurais épargné la deuxième ellipse, j'aurais réussi finalement. Ça aurait été dur, hein. Franchement. Cet épisode sera épisode rage.
Bon, maintenant le temps est compté pour retrouver Nikki. Parce que sinon les flics vont arriver. Ça commence à devenir chaotique. Ah, point de compétence. J'en ai 11, nickel. On va. Combat, ouais. Je commence à être nul au combat. Ouais, ça peut être utile. Ah, nickel ça. Transportable, non. Ralentit davantage le temps pendant l'utilisation du focus. Réduit le risque de détection quand vous courez. Ah, cool, ça je prends. Ok, voilà. Donc on va attendre la prochaine mission. Bon, moi on a un allié, Bad Buck. C'est déjà ça. Mais le temps est compté, hein, parce que je vous rappelle que Nikki a été enlevé par. Ah, je sais plus son nom. Damien, ouais. Par Damien. Donc, bah là, si on va pas récupérer Nikki dans pas longtemps, et ben elle va appeler les flics. Et on sera mal barré. Voilà, merci d'avoir suivi ce 12e épisode de Watch Dog. Il aura été long, je pense. Enfin, j'ai pas tout vu que je dois le refaire. Je dois vous préparer l'ellipse. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera pour l'épisode 13. Ciao tout le monde!